Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons regarder tout simplement le message des esprits des sites sacrés. Quel va être le message à vous transmettre, à recevoir? Message intemporel pour les personnes qui regardent la vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou bien par téléphone. Les informations sont en bas de la vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons demander les conseils des esprits des sites sacrés pour toutes et tous. Les personnes qui regardent cette vidéo, voilà. Allez, c'est parti. Quels vont être les messages? Les personnes qui regardent la vidéo. Alors, cette carte qui revient, donc nous l'avions déjà dans le message précédent, un profond secret sera dévoilé. Donc c'est en train vraiment d'arriver vers vous. Donc, quel va être ce secret? Donc, ça peut être une situation familiale, sentimentale. Ce qui va vraiment vous permettre d'avoir une grande prise de conscience, un éveil, un réveil. Certainement aussi vous libérer d'une forme de tristesse. On me dit aussi pour certaines personnes que vous allez arrêter de porter votre croix. On nous parle ici de souvenirs, hein. Donc vraiment, ce secret viendra quand même d'un passé, hein. D'un passé lointain. D'accord? Bon, nous allons continuer de regarder le message. Entrez dans l'espace sacré, conversez avec vos alliés fées. Visualisez la guérison. Cherchez les symboles, déchiffrez leur sens. Que la paix prévale. Vous êtes chéris et protégés. Espérez. Dans l'avenir, de nouvelles énergies arrivent. Alors, ici, on voit que entrez dans l'espace sacré et conversez avec vos alliés fées. Donc ici, vous êtes proche de cette grande transformation. Vous êtes proche d'un éveil, hein, c'est ce que j'entends vraiment. Il vous reste... Eh bien, avec le secret dévoilé ici... Hein, voilà, il vous manque plus qu'un élément
pour aller vers cette transformation. Avec visualiser la guérison, eh bien, effectivement, on vous dit de vous nettoyer, de vous purifier. Donc, ça peut être avec de la sauge, du laurier sauce, du gros sel, d'accord. Vous pouvez prendre aussi un bain de gros sel pour vous purifier. Ici, il y a vraiment un passé qui est amené à s'évaporer. D'accord? Donc, c'est le moment vraiment de vous purifier. Ici, avec chercher les symboles et déchiffrer leur sens, on voit qu'il vous manque un élément, mais qui va arriver vraiment pour vous permettre de comprendre ce qui s'est passé dans votre existence. Vous avez dépassé plusieurs obstacles, enfin vous avez eu à dépasser plusieurs obstacles, mais vous avez toujours gardé la foi et l'amour, la beauté du cœur. Et on vous dit que c'est une qualité, d'accord? L'amour conquiert la mort. Vous voyez, ici, que la paix prévale, pardon. Que la paix prévale. Je vous parlais à l'instant du cœur, de votre cœur pur, d'accord? Donc, c'est aussi ce qui vous a sauvé. Quelque part. Vous n'êtes pas rentré dans les conflits, vous n'êtes pas rentré dans des énergies de violence, etc. Donc en fait, ici, vous allez recevoir une belle récompense, les amis. Une belle récompense. Encore une fois, vous êtes chéri et protégé. D'accord? Donc ici, on voit vraiment l'amour de l'univers, l'amour aussi que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Vous avez dû vous protéger quand même. D'accord? Vous avez dû vous protéger, mais tout en restant... J'ai envie de dire d'un côté la tête haute, c'est-à-dire sans vous rabaisser. Vous êtes resté fidèle à vos convictions, ou en tout cas vous restez fidèle à vos convictions. Et cette foi, cette grande foi que vous avez à l'intérieur de vous, est très très présente. J'entends aussi votre dignité. On me parle ici de dignité et de courage. Ici, on a espéré dans l'avenir de nouvelles énergies arrivent. Voyez. Les enfants semences d'étoiles. Moi, ce que je reçois ici comme message, c'est vraiment, vous allez renaître. Vous allez retrouver aussi cet enfant intérieur qu'on vous a coupé, on vous a beaucoup coupé de cette énergie, de cet enfant intérieur. Volontairement, involontairement, le secret qui sera dévoilé vous permettra de prendre conscience de cela et de retrouver justement votre enfant intérieur. Vous avez traversé un
beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obstacles, mais vous avez toujours conservé cet espoir. Vous croyez, vous savez que ça va finir par se libérer. On peut voir qu'on a pu vous mettre aussi beaucoup d'obstacles sur votre chemin. Mais il y a vraiment, comment je pourrais dire, le chemin de croix est terminé, ou en tout cas se termine. Voilà. De nouvelles opportunités arrivent vers vous. De nouvelles opportunités arrivent vers vous. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, on voit une forme de récolte ici. Beaucoup de portes, hein, de passages que vous avez dû traverser. Voyez, on a purifié vos environs aussi, donc je vous parlais de guérison avec la sauge, etc. Donc, grand nettoyage, grande purification. Libérez-vous de tous les objets qui ne vous sont plus importants pour vraiment laisser place à accueillir les nouvelles opportunités. Déchaînez-vous un moment. Donc, ici, vraiment, c'est de. Comment on pourrait dire Ben, c'est vraiment cet enfant intérieur, hein, de le laisser revivre tout simplement. En tout cas, on va vous permettre à cela. Les énergies vont vous permettre à cela. Voilà, exactement. Libérez-vous, envolez-vous et retrouvez votre jeunesse. Vous voyez, donc, il y a vraiment des informations que vous allez recevoir qui vont vous permettre de retrouver votre vitalité, votre jeunesse. Vraiment, pour moi, ce secret révélé sera. Ça peut être dû aussi à votre enfance. Alors, ou aussi à vos relations, hein, vos relations, je dirais, dans tout ce qui concerne l'affectif. Le chemin a été long, tumultueux, difficile, mais enfin, vous allez récolter. Vous allez récolter la paix. D'accord? Vous allez enfin pouvoir vous libérer de cette forme d'obscurité qui a pu vous être, dont vous avez pu être maintenu pendant un certain temps. Il vous faudra, après ces révélations, il vous faudra rester dans la paix, dans l'acceptation. D'accord? Transiger et trouver un terrain d'entente. On me parle ici de négociation, de discussion, de parole. D'accord? Voilà. Donc, ce sera ne pas s'emballer. Disons
de rester bien centré, même si ça peut bousculer, vous faire mal au cœur, etc. En tout cas, ce sera vraiment pour vous permettre d'accéder à votre envol, je dirais, à cette transformation. Il vous manquait un élément pour boucler la boucle. Et cet élément est en train d'arriver. Donc, eh bien, simplement, préparez-vous au changement. Et surtout, soyez, comment dirais-je, soyez dans l'acceptation de ce passé, d'accord? Et vous allez vraiment pouvoir vous envoler vers votre destinée. On peut dire ça comme ça. Je vais regarder au niveau sentimental ce que nous allons avoir comme message. Au niveau sentimental. Tiens, je vais prendre l'oracle bleu. Allez, petit message sentimental. Sentimental. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, allez, niveau sentimental. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo niveau sentimental? Oh, la lumière, éclaircissement, d'accord? Vous allez y voir clair. D'une façon ou d'une autre, de toute façon, les deux tirages sont liés, il y a une lumière qui est faite. D'accord? Allez, on va regarder tout ça au niveau sentimental. Waouh! Au niveau sentimental, donc on voit qu'effectivement vous allez y voir très très clair sur l'évolution de votre relation. Ici on voit qu'il y a eu un moment où c'était très cristallisé, hein. Il y avait quelque part très peu d'émotions. Au niveau de vos désirs de relations équilibrées, de partage, je dirais même d'abondance. Ici, on voit que ça a été plutôt dans une forme de cristallisation depuis un certain temps. Donc, on a les émotions, le choix, la gestation, hein. La mère, le choix, la gestation. Donc ici, au niveau sentimental, vous tenez toujours à votre projet, hein. C'est-à-dire, ici, on parle de relations équilibrées, âme-sœur, donc plutôt, oui, dans l'équilibre émotionnel, dans le partage, dans le donner-recevoir. Mais
Ce qu'on peut me dire ici, c'est que vous êtes toujours actuellement, hein, dans cette idée de choix. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je me dirige? Je sais que j'ai le projet à l'intérieur de moi, mais il me manque encore de la lumière, il me manque encore des réponses pour y voir clair. D'accord? Donc voilà ce qu'on nous dit ici. Bon, on a la lumière, hein. La lumière de toute façon qui va se mettre en œuvre. Et ici, avec le conquérant et les arts, ce qu'on me dit, c'est que bien, très certainement, vous vous focalisez pour l'instant vers vos, quelque part, votre bien-être et votre équilibre personnel. D'accord? Et vous avez aussi décidé de ne plus laisser entrer dans vos énergies des personnes qui ne sont pas capables de représenter celui ou celle qui saura apporter cet équilibre du donner-recevoir. Voilà ce que j'entends dans le sentimental. On va refaire une ligne. Exactement. Ça voulait venir. Donc, vous ne laissez plus place. Voilà. Vous ne laissez plus la place. Voilà. Au chagrin. Au mauvais comportement. D'accord? Hein? Puisque vous décidez tout simplement d'être en paix avec vous-même et être plutôt dans une forme d'équilibre et d'harmonie, vous avez tout simplement envie d'être bien. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, le pouvoir, la duplication, l'amour, en fait, très certainement que vous avez subi, je dirais, des trahisons, tromperies, voilà, hein, tout ce qui peut être un petit peu dans cette énergie-là, confusion, hein, moi ce que j'entends aussi, confusion, etc. Donc vous, en fait, non, vous êtes aujourd'hui déterminé, hein, ici avec le conquérant, hein, vous êtes déterminé, eh bien, à aller sur votre chemin de l'amour, donc avec un projet réel de construction, hein, comment dirais-je? L'amour, l'âme sœur, la gestation. Donc ici, eh bien tout simplement, comment dirais-je? Vous gardez votre projet concrètement. Par contre, vous allez encore continuer un petit peu puisque vous allez voir plus clair. Et en plus, avec les révélations, les secrets, hein, qui vont apparaître et la lumière qui sera faite, eh bien, vous allez pouvoir vous libérer de certains liens qui vous entravaient encore un petit peu. D'accord? Donc, moi, j'ai envie de voir. Ah, ben, celle-là a voulu venir. Ouais, l'attachement. Donc, vous allez vous libérer de ces liens, hein, qui ne vous, ne, voilà, qui vous empêchent finalement d'être en équilibre, tout simplement, hein. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, il y a une forme, effectivement, vous écoutez aussi vos instincts, et ça, c'est très, très bien. Hein, vous écoutez les signes de la nature, et vous êtes plutôt arrivé dans une forme de sérénité, ou en tout cas, c'est ce dans quoi vous allez arriver. Ouais. L'élévation, les sacrifices. Le notaire. J'ai vraiment cette prise de conscience et cette libération, hein. Des émotions. En fait, tout simplement, vous n'acceptez plus l'à peu près. Vous n'acceptez plus les perturbations, hein, au niveau de votre être, puisque
La seule chose qui vous importe aujourd'hui, c'est d'être bien, d'être en joie avec les festivités, le changement. Et pour la femme, vous avez tout simplement envie de sortir de forme de stérilité. D'accord, en tout cas, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Alors, ça remue un petit peu, hein, ça remue un petit peu, puisque vous avez des décisions à prendre. Vous allez sortir de cette énergie de sacrifice, une bonne fois pour toutes. Hein. Vous avez pris beaucoup connaissance des choses après cette période de cristallisation, hein. Ok, bon, bah, écoutez, ici, le conseil, c'est d'accueillir eh bien, les informations qui vont arriver vers vous. Je vais regarder, tiens, avec le... C'est d'accueillir tout simplement les informations qui vont arriver vers vous, de rester centré sur vos objectifs. Entre le feu et l'eau, donc il y a du nettoyage qui se fait exactement pour un renouveau, hein, la sérénité, l'équilibre, exactement ça. Donc vous allez sortir effectivement de situations d'angoisse. C'est terminé, ce que j'entends c'est que c'est sur le passé, c'est parce que la lumière hein, est faite ou va être faite de toute façon. Donc, les turbulences sont en train de se mettre en place. Vous voyez, attention à la jalousie tout de même, hein, parce que vous pouvez être un petit peu bloqué par des formes de jalousie. Donc, ça peut être divers et variés. Allez, on va continuer de regarder. Donc, guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Soyez bien conscient que c'est lorsque vous changez vous-même que le monde change autour de vous et non l'inverse. Tout vient de l'intérieur, d'accord? Et ça, c'est très important. N'attendez pas, comment dirais-je, après des situations illusoires. Hein, d'accord, il est temps de vous éveiller, de vous réveiller, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de guidance où vous êtes, où vous vous retrouvez, comment dirais-je, dans l'illusion. Donc faites bien attention à vous, parce que c'est très souffrant. Là, il est important d'être dans le concret et surtout d'être en paix avec vous-même afin de pouvoir retrouver de la sérénité. D'accord? Très important. Vous êtes réellement en train de vous détacher et de vous libérer de tout ce qui vous a entravé depuis un certain temps pour aller vers une forme de réussite. D'accord? Donc ici, c'est en changement. Vous quittez des formes de triangulaires, de relations qui ne vous sont plus adaptées. Hein. Donc, faites attention à vous. Prenez surtout soin de vous pour pouvoir accéder à une forme de renouveau. Sachez ce que vous voulez, c'est très important. Ici, avec l'oracle de la Providence, eh bien, c'est assez clair. Vous êtes encore positionné eh bien, entre la sortie de cette forme de souffrance et encore ces sentiments de dépendance affective, de souffrance. Hein. Alors ici, nous avons la jalousie, mais c'est soit votre état ou l'état de l'autre en face de vous qui va manifester cette jalousie. On voit que vous pouvez être entouré de personnes qui peuvent être un petit peu médisants, maltraitants, hein, comme on pourrait dire, mais on voit un renouveau qui arrive vers vous et une réussite. Écoutez-vous bien. D'accord, vous avez fait un travail depuis un certain temps qui vous conduit avec le conquérant et les arts ici, il ne faut pas l'oublier, c'est que vous avez quand même œuvré pour vous retrouver dans une énergie plutôt équilibrée, agréable. D'accord, donc faites attention de ne pas retomber dans des dépendances affectives, d'accord, ou autres.
faites attention aux paroles, faites attention aux gens autour de vous quand même. Soyez lucide. Voilà. D'accord? Allez. Ouais. Donc, effectivement, ici, j'ai une forme de sagesse. Hein, une forme de sagesse qui vous entoure. Donc, vous sortez effectivement des énergies, eh bien, tierces, hein, comme on pourrait en parler. Vous retrouvez une forme de sagesse, une forme d'équilibre dans votre foyer, dans votre être intérieur. Vous êtes votre propre guide et vous allez pouvoir enfin vous déplacer vers, eh bien, écoutez, on a les festivités, l'amour. Hein, vous allez vous diriger vers cela. Donc, continuez votre chemin, ne baissez pas les bras, d'accord? Cessez d'attendre après des personnes qui ne sont pas dignes de vous. Hein. Ici, on parle de fin, de stérilité, de tristesse, etc. Donc, persévérez, d'accord? Persévérez, accueillez. Et vraiment, la personne la plus importante, c'est vous-même. Et ne donnez pas votre pouvoir aux autres. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. En tout cas, eh bien moi, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.